Eh bien, à nouveau, salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Nous sommes le 29 avril 2023. Nous sommes un samedi, on est un samedi soir, et puis je me suis dit, quoi de mieux qu'un samedi soir pour terminer ce God of War Ragnarok? Continuons sans plus attendre. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pour continuer notre let's play sur ce God of War Ragnarok, et il y a de fortes chances que ce live soit le dernier de cette aventure. Parce que justement, comme on en avait parlé lors des épisodes précédents, on sent qu'on arrive sur la fin. Joins-toi à nous. Assieds-toi. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je vais avoir compté à la fois où je t'ai demandé de jouer la demoiselle en détresse. Donc, dis-le. Là, alors qu'elle s'occupait de me distraire, je suis intervenu héroïque. Et ensemble, nous les avons tous vaincus. Ils étaient au moins 100. Ouais, donc je pense que je pense que ça va être le dernier live, donc la dernière soirée que nous passerons sur ce jeu pour ce let's play. Je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai grand-chose à dire. On était prêt pour la guerre, on va se lancer dans la guerre. Il y avait juste un truc que j'avais envie de regarder et de vérifier. C'était que on est bien d'accord que on ne peut rien faire de plus avant de se lancer dans cette nouvelle mission principale, parce que la dernière tombe de Berserker était inaccessible. Elle était là, à Nilfheim, et puis on peut apparaître que ici. Donc, apparemment, on ne peut rien y faire, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Je sais pas s'il y a quelque chose à revoir là. Apparemment, je ne pense pas. J'augmente juste un peu mon son dans mon casque. Voilà, histoire de bien entendre ce qui se passe dans le jeu. Maxime, qui vient d'arriver dans le chat, ça fait super plaisir de te voir. Bienvenue, installe-toi bien. Et bienvenue pour la fin de ce jeu. Ce jeu incroyable, on peut le dire, hein, mais je me suis fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, je me suis fait une petite note sur mon téléphone qui contient un peu les thèmes auxquels j'ai pensé durant tout ce let's play, histoire de, bah, quand des choses m'ont marqué, bah, je l'ai noté. Comme ça, je vais pouvoir aborder tous ces sujets lors de ma critique quand on arrivera au crédit de fin. Et je pense que ça sera bientôt. Donc, écoutez, ce qu'on fait, c'est que on va lancer l'attaque sur Asgard. On va apporter le grand terrassement avec nous. Et puis, on va tout simplement voir ce qu'il en suit. Je sais pas du coup si ça mènera à la fin du jeu. Mais si ça mène à la fin du jeu, je pense que je ferai de toute façon une critique lors des crédits de fin, parce que même si bah justement après la fin du jeu on va faire la tombe de Berserker, je pense que ça, la dernière tombe de Berserker changera pas mon avis. Mais si jamais ben ce qui se passera dans le endgame après la fin du jeu me donne des trucs en plus à rajouter, ben je rajouterai ben, ces critiques à ce moment-là quand on aura vraiment fini enfin ce qu'on voulait finir après la fin de l'histoire principale. Donc voilà, je pense qu'on est au clair, je pense qu'on peut continuer. Et puis j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes tous autant hypés que moi. Et puis, ben, allons-y. Maxime qui nous dit en même temps que ton live, je joue à Genshin. Ben, bon gameplay, Maxime, amuse-toi bien. Parce que moi, je suis Excuse-moi. hypé et compte sur moi pour le fait Puis-je que je parler à vais prendre du Mastermind? plaisir. C'est une Valkyrie que l'on demande ça? Ah ouais. J'ignore où nous serons demain, mais si cette nuit est la dernière, j'aimerais ressentir autre chose que de la haine. Me conterais-tu une dernière histoire idiote? Rien ne me ferait plus plaisir, à part peut-être une danse.
mais je crains d'avoir perdu le rythme. Sauf ton respect, je ne dis pas d'histoire idiote. Toutes tes histoires sont idiotes, Mimi. Tu as toujours raison. Ah, je sens que cette fin, ça va être incroyable. Hein. Elles ont vraiment la classe hein, maintenant, mes armes, avec toutes ces dorures, avec les améliorations de la forge. D'ailleurs, en parlant de forge, je suis pas retourné à une forge récemment, donc il faudrait peut-être que j'y pense. En espérant qu'on en croise une sur notre chemin. Repose-toi bien, Kratos, parce que demain, ça risque d'être chaud. Je peux dormir ici ? C'est chou. Ça fait peur, ça. Il était un vieil homme qui coupait du bois pour son village. Soir après soir, sur son dos, il portait les bûches et les distribuait à son peuple. Mais les bûches étaient lourdes. Et les années l'affaiblissaient. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable de les porter. Et il implora la mort de venir le prendre. Et quand la mort arriva, t'es la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. C'était une femme spéciale.
Elle voulait protéger les gens. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. C'est ainsi quand on est mortel. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer. Tu ne dis rien ? Je n'ai rien à dire. Eh bien... Dis quelque chose. J'aime entendre ta voix. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Ah ? T'aurais préféré... un enterrement ? Je viens. Nous inhumons ceux qui nous sont chers. Tu me piégerais sous terre pour l'éternité ? Je te garderai près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serait d'un grand réconfort. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois ? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. C'était quoi ce bruit ? Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir. Dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. Pour toi. Et pour notre fils. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Fay, imaginez ton absence. Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Et pourtant nous aimons, malgré l'inévitable. Nous ouvrons notre cœur à ce risque. Quand le bûcher sera consumé, et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus haut sommet de tous les royaumes. Je veux que tu m'en fasses la promesse. Ceux qu'on pleure le plus, sont ceux qu'on aime le plus. Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre.
Ah, les musiques et la mise en scène dans God of War, c'est quand même un truc de malade mental, il faut pas se mentir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps. J'espère que vous avez bien dormi. Père. Général. Ah oui, il devait redire à Freya s'il acceptait le poste de général. Général Kratos. Bataille à vos côtés une dernière fois, ma reine. Moi aussi. Mais plus en tant que reine. En tant que sœur. Es-tu prêt? Oui. Je serai votre général. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, général. Oui, mon frère. Je serai à tes côtés. Alors, quels sont tes ordres? Allons au temple. Est-ce que je pourrais passer à la forge de Sindri, au passage? S'il vous plaît. Ah bah du coup, c'est plus Sindri qui est... Général Kratos! J'ai quelque chose pour toi avant que tu partes en guerre! Ça m'arrange, ouais. As-tu vu Sindri? Ouais. Il est pas en grande forme. Enfin, personne ne l'est. Je regrette, Lunda. Je sais que toi et Bran... Promets-moi que tu t'occuperas d'Odin. Quoi qu'il en coûte, promets-moi que tu ne laisseras pas ce chien s'en sortir comme ça. Compte sur moi. Parfait. Et au passage, si tu pouvais aussi en profiter pour lui arracher les baloches, n'hésite pas, j'adorerais m'en faire un collier. Ça marche. J'y penserai le moment venu. Ah, ça, c'est du couteau bien aigu. Putain, on a les lames au maximum, hein, les amis. On a les lames au maximum. Et la lance aussi. À côté, la lance d'Odin ressemble à un cure-dent. Et pour le gamin? C'est quoi pourquoi il reste un point d'exclamation quelque part? Voilà. Ok. Ah non, il y a encore autre chose. Où est-ce qu'il y a encore quelque chose? Bon, je sais pas. Ensuite, dans l'armure. C'est au max. Attends, on a des nouveaux trucs, du coup. Nous, ce qu'on a, c'est... Ah oui, les dégâts qu'on subit quand on utilise une attaque runique. Ah, la sortie d'un état de rage. On a un bonus de force et... Ok. Et puis... On a plus de force, plus de vitalité, plus de chance. Si on est au max avec ce machin. Ok, ça pourrait être intéressant. Parce que là, on a... Force, défense, runique, vitalité. Et là, c'est force, défense, vitalité, chance. Ok. Ouais, ça pourrait être intéressant. Hein. Attendez, au bras, on a... Restaure une partie du renouvellement de l'attaque après utilisation. Ah, ok, ouais. Renouvellement restauré. Ça, c'était les dégâts d'explosion. Ça, c'était...
Kratos subit moins de dégâts lors de ses compétences et ses attaques de base. Et là, on a débloqué un nouveau truc, c'est accélère les gains de rage. Ah, mais ça, c'est pas mal aussi. Et ça nous donne plus de vitalité et de chance. Et puis là, augmentation des gains de rage. Ah putain, j'ai envie de les prendre. Hein. Vous savez quoi? Je vais me refaire un nouveau set. Ils sont cool. Je vais me faire ça. Merci, Lunda. Oh, tu me remercieras plus tard, beau barbu. Enfin, si on survit à tout ce foutoir. C'est promis. Wouhou! Quelle classe! Ça va. Voilà. Donc là, dès que je sors d'un état de rage, j'ai davantage de stats en force, défense et pouvoir unique. Et puis là, avec ces deux accessoires, je gagne beaucoup plus de rage quand je me bats. Va parader maintenant. C'est génial. En plus, j'ai la classe avec cette armure. Ça fait vraiment viking. En plus, couleur rouge sang. Je kiffe beaucoup. Oh là là, la dégaine. En plus avec la lance, hein. Va parader maintenant. La lance avec la... avec le petit turban rouge là, ça fait vraiment... Bah, ça fait vraiment spartiate en fait. Là on est vraiment Kratos le spartiate. On est prêt au combat. Maxime qui nous dit c'est pour le combat ça. Ouais là on est ready. Maxime qui a récupéré un reste hydraté et une petite sucrerie. Merci beaucoup. Maxime, je bois un verre à ta santé, donc je bois de l'eau. J'en avais bien besoin, merci beaucoup. Et puis pour la petite sucrerie, cette fois j'ai pas des bonbons, j'ai des biscuits au chocolat, donc je vais en prendre une petite bouchée. Voilà, ça fait du bien. Merci beaucoup Maxime. Ensuite... Ah, je peux m'acheter des... Je peux m'acheter ce que je veux pour améliorer mes armes. Et j'ai une pierre de résurrection de Berserker. Donc c'est parfait. Donc ceux-là, je peux les vendre en fait. Ok. Mais je comprends vraiment pas comment ça se fait que j'ai encore un point d'exclamation ici. Je comprends vraiment pas. Il a besoin de quoi, le petit? Non, je sais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Franchement... On a notre nouvelle tenue, là. Putain, elle pète la classe, hein. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Donc, on est prêt au combat. On a amélioré la hache, on a amélioré les lames. On a vraiment un méga stuff. Général. Père. Général. On est assorti avec Atreus en chef. Plus. Salut mon... Général. Je suis venu sur ces terres pour fuir mon passé, vivre une nouvelle vie. Je ne peux plus me cacher.
Je ne souhaite pas cette guerre. Nous avons trop souffert. La prophétie ne nous a pas menés ici. Et ne gagnera pas cette bataille. Les guerres sont remportées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Si tel est le prix de la vengeance, alors soit. Odin nous a déjà pris tellement de choses. Les royaumes ont souffert suffisamment. Quoi qu'il en coûte, tout s'arrête. Aujourd'hui. Si disparaître dans le feu de la gloire me permet de brûler Odin, alors j'y serai. Un sourire large et franc sur mon visage. Pour Brock. Odin s'en prend à Niflheim après. Ils essaient de bloquer le Ragnarok. Il faut stopper leur machine de guerre. Oh mon dieu. Ça commence plutôt mal. Attendez. Yngvi, on n'a pas le temps. Je sais. Attends. Ingrid ! Quoi ? On a du travail. Vous trois, suivez-le. Atreus. Freya, avec moi. Couvrez nos flancs. Aux machines de guerre. On y est les amis, c'est la guerre. Par ici. Putain, je pensais pas voir ça dans God of War. Hein. Mais c'est parti. Oh. Ah merde. Ah bordel, les chiens. Les loups. On vient Boda. Je savais qu'il le reste. Oh putain. Attention. Quel est le plan suivant, frère? Il n'y a pas d'autre plan. Nous nous concentrons sur les machines de guerre.
Il nous faut atteindre la faille derrière la tour d'Asgard. Sans le Ragnarok, c'est notre seule chance de franchir le mur. Pas le mur? Tu disais que seul sûr savait s'en servir. Espérons que je me trompais. Oh là là, l'ambiance, les amis, la musique. Oh là là, il se passe tellement de choses. Gna est la nouvelle reine des Valkyries d'Oda. Cela complique les choses. Imagine bien. Alors faisons vite. C'est les dragons qu'on a libérés. Attention derrière, mon frère. Oh. Mais putain! Putain, je l'avais jamais vu celle-là. Oh bordel! Il ne nous a pas suivi depuis Midgard. Curieux! Il occupera Thor au moins. Ah ouais, c'est Thor qui est en train de se battre contre le serpent monde. Dégage! Au moins cette armée-là est déjà morte! C'est peine perdue! Allez, laissez-moi tranquille! Les reviennent du Valhalla dès que nous les tuons! On peut dire adieu au renfort d'Alfheim! Nous n'aurons bientôt plus de soldats. Oh putain! On dirait que les grands géants sont venus, finalement. Le serpent a changé. Oui, il est différent. Mais quand j'étais parti, oublie ça, on verra plus tard. Le lien des Eneriar au Valhalla. Mes sœurs et moi devons le couper. Va. Toujours aucun signe d'Ena. Sindri ne nous lâchera pas. Nous devons croire en lui. Rallie ce que tu peux. Nous irons vers la tour de Svartalfheim. Quel est le plan? Comment va-t-on briser le mur sans le Ragnarok? Les machines de guerre. Oh! Alors la situation est désespérée.
reviens pas! Non! Attention, frère! Tu es couvert de Bifrost! Le cavalier le soigne encore! Derrière-toi! Attention! Dragon, attention! Derrière-toi, prends garde! Bon sang! Qu'est-ce qu'il attend? Oh bordel! Mais putain! Le pilier sur lequel il est posé semble fragile! Oh! Oh là 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 là! À travers la brèche du royaume. Mon ami, elle est trop d'épicness. On a des choses plus importantes à régler, même si on arrive à briser le mur. Mais mieux pour qui? Putain! Je suis désolé, mon ami. Incroyable. Ah non, il y a que Sindri. Je sais. Salut. Où est ton armée? Trop de nains sont déjà morts pour ça. Sindri, on... Je sais. Odin les a forcés à construire ces machines de guerre. Et je suis ici pour les détruire. Avant de les détruire, nous devons les braquer sur la faille. Bien. Merci pour les nains, pour le travail des géants. Le Ragnarok, putain. Il était temps qu'il pointe son nez. Ce que tu voulais. Oh, avec les yeux rouges. Je sais pas ce que je voulais. Non. Ferme ton cœur, la douleur. Ferme ton cœur. Qui sont-ils? Des Midgardiens. Odin les héberge. Ils n'ont rien à faire là. Ils ne se battent pas. Odin se sert d'eux comme d'un barrage. C'est la guerre. Les guerres sont gagnées. Par ceux qui sont prêts à tout. Sacrifier. Qu'est-ce que tu fais ? Fils, écoute-moi bien. Tu sens leur peine parce que c'est dans ta nature. Et tu ne dois jamais sacrifier cela, jamais, pour personne. Écoute-moi, j'avais tort, Atreus. J'avais tort. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à leur souffrance. C'était le souhait de ta mère. Et c'est le mien.
Cette fois, nous serons meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez vu la taille de ce truc ? Je pense qu'on va gagner. Si on ne meurt pas avant. Pourquoi vous arrêtez ? Le Ragnarok est là. Nous avons enfin Odin à portée de nous. Nous arrêterons Odin. Mais nous ne voulons pas sacrifier des innocents. Nous passerons le mur à la faille de Rimtur. Avec quelle armée ? Atreus et moi irons seuls. C'est du suicide. C'est possible. Mais nous mourrons pour la justice. Et non la vengeance. Cette arme peut-elle ouvrir la faille ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous trois, mettez ces gens à l'abri, trouvez-leur un lieu sûr. Très bien, ce sera fait. Freya et moi ferons notre possible pour ralentir le Ragnarok. Il n'était pas ainsi avant. Essayez de lui faire entendre raison. Odin ne s'en tirera pas. S'il s'échappe, alors je te jure. Je sais. Falki! Non! Non! Protège-le! Je me charge de ceux qui sont piégés, et je te retrouve à la faille. Allez! Pars, Atreus! Sindri, fais attention et reste derrière moi. Toi, et reste derrière moi. Écoute, est-ce que je peux dire ? Non, tais-toi. Bats-toi en silence. Tout ça, en tout cas, sachez que j'ai trouvé incroyable ce dilemme de... Il faut sacrifier les Asgardiens pour... qui sont innocents pour gagner la guerre. Et qu'ils ont pas cédé à ça. Enfin, que Kratos, qui était connu pour être sans émotion, ou en tout cas qui le faisait croire, a poussé Atreus à pas prendre cette décision. J'ai trouvé ça génial. Putain, on peut jouer en temps course. Décapité. Quoi ? Tu veux que je te remercie ? Non ! Je veux juste... Je me fiche de ce que tu veux. Je change rien. Convaincu qu'on n'avait pas à être ennemis.
Trude, tu vas bien? Mais ma mère avait raison depuis le début. Tu es un tueur exactement comme ton père et tu es là pour tous nous tuer. Non, juste Odin. Sindri, non. C'est une amie. Les amis n'amènent pas la fin du monde aux portes de leur maison, Loki. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pris de mauvaises décisions. Ça t'arrive souvent, c'est une mauvaise excuse. Ce n'est pas une excuse. J'essaie juste de me rattraper. Est-ce que Skulder va bien? Tu as pu le voir? Pourquoi il irait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Odin a choisi de sacrifier les Midgardiens. Il les a mis le long du mur pour tenter de nous arrêter, les sachant sans défense. Il meurt dans le seul but de nous ralentir. Pourquoi il ferait ça? Et dis-moi pourquoi je devrais te croire? Parce qu'il a raison. Il dit vrai. Odin est ainsi. Et ce, depuis toujours. Mère, que fais-tu ici? Qu'est-ce que... Il sacrifiera n'importe qui se mettra en travers de sa route. Les Midgardiens. Ton ami. Notre famille, même toi et moi. J'espérais que ton père lui aurait tenu tête, mais à présent, c'est à toi de le faire. Mère, je ne comprends pas. Trude. Je n'ai jamais douté que tu deviendrais la plus grande des Valkyries que ces royaumes aient jamais connue. Mais pas pour lui. Est-ce que tu comprends? Mais notre famille... Sans Odin, nous pourrons en être une. Une vraie famille. Oh là 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 là, mais c'est tellement incroyable ce qui se passe. Toutes ces dynamiques différentes qui s'entrecroisent. Il a dit que si on ne bougeait pas, tout irait bien. Qu'on lui devait bien ça. Tu ne lui dois pas ta mort. Sans blague. Père ne les laissera pas atteindre grand-père. Alors vas-y aussi. Toi, il t'écoutera. Es-tu prêt à aller retrouver tes semblables? Oui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Enfin. Incroyable, 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 incroyable. Bon, on va aller trouver Odin avec Trude, Atreus et Sindri et toute l'équipe. C'est génial que Trude nous ait rejoint, c'est génial que la femme de Thor s'est rendu compte de l'horreur d'Odin. Je sais pas ce qu'il en est de Thor, mais on verra, ce sera super intéressant. Je remercie EtrenWeaver68 qui vient de se follow à la chaîne, qui nous dit yo mec ça va, écoute ça va super, on est sur la fin de God of War, ça fait super plaisir, on vit des moments extrêmement forts, écoutez-moi cette musique, c'est juste incroyable. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi,
J'espère que tu aimeras la chaîne, j'espère que tu aimeras les let's play. Bon, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, qu'on va le couper là, et puis qu'on va tout simplement continuer juste après. Je vais juste couper l'épisode, et littéralement, moins d'une minute après, je vais lancer le suivant pour continuer, parce que là, on est à fond dans l'action. Je suis désolé de vous lâcher en plein milieu, mais on se retrouve dans le prochain épisode. Et je vais pas faire d'outro parce que je suis trop impatient. C'était Corbel, out.